أحمد طالب ماستر بجامعة وهران، حضر لصالون الطالب ككل سنة بحثا عن فرصة تكوين في مجال تخصصه. ففرص التكوين في صالون الطالب متوفرة، لكن تصطدم بسعرها المرتفع، خاصة ما تعلق بالدراسة في الخارج. En venant ici le salon, j'ai vu que à peu près les formations c'était à 9000 dinars par 9000 euros par an ou là sur le minimum les critères jusqu'à maintenant c'est 6500. 6500 c'est fou. Voilà, sur le pour un étudiant sur les mais qu'on a un revenu ou là c'est quasiment impossible. C'est vrai que c'est un peu cher, mais en fait qui trouve le niveau les rahoul tma et la qualité de formation qui est à l'étranger, c'est que le prix il est justifié. نوادي وجمعية محلية أنشأها طلاب عبر مختلف الجامعات الجزائرية، تساعد الطلاب من خلال التوجيه وحتى الدعم المادي من خلال البحث عن ممولين. Notre rôle c'est d'être l'intermédiaire entre l'étudiant et ses opportunités. Notre rôle c'est de les guider vers ces opportunités, de leur expliquer un petit peu le processus de ce qu'on fait. Mais pour une personne en master ou là en licence, ou même une personne qui a une compétence professionnelle, peut être dans un stage de longue durée et c'est des stages qui sont rémunérés. Il va toucher un salaire. Les formations comme vous avez dit, c'est excessivement cher. Si on va dire une formation d'entrepreneuriat, ça coûte de 5 millions à 8 millions. C'est l'objectif de l'ADC, donc c'est minimiser les coûts. Et comment on fait pour minimiser les coûts? C'est à la recherche des partenaires et des sponsors. C'est soit des entreprises, soit des écoles. Ils nous ouvrent les portes à Waham. En contrepartie, on minimise les coûts pour donner la chance aux étudiants. ويعد صالون الطالب فرصة للعديد من الطلاب للتعرف على العديد من التكوينات، كل حسب مجال تخصصه.